Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter la box du mois de juillet d'Yel.com. Donc comme vous voyez, j'ai encore rien ouvert. Je vais découvrir ça en même temps que vous. Alors, oh. Donc ça, c'est un petit sous-verre que j'ai commandé également en même temps que la box. Voilà, il est vraiment absolument magnifique. Donc avec ce cerf que j'adore. Voilà, donc c'est tout brillant. C'est vraiment de la super qualité. Voilà, pour poser ma tasse de café ou mon verre d'eau sur mon bureau quand je fais mon planeur. Donc voilà, magnifique. Je vous montrerai aussi après le petit, un petit sac que j'ai commandé pour mon fils, que j'ai déjà mis sur son bureau, mais j'irai le chercher tout à l'heure. Alors, par quoi je vais commencer? Alors, ça, ce sont des cartes Project Life. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir que j'ai repris le Project Life. Donc, je me suis pris des kits de cartes. Alors, je vais commencer par ce petit pins. Je vais le sortir du paquet. Donc, un petit pins licorne. Il est vraiment très, très joli. Tout brillant. Tout bombé. Vraiment, voilà, j'adore. Ensuite, alors, je vais vous présenter ça. Donc ça, ce sont des cartes à collectionner. Donc ça, c'est nouveau sur leur boutique. Je vais faire un peu le zoom. Voilà, ce sont des cartes à collectionner. Donc, il y a pour 2021 et 2022. Les 4 cartes du mois à collectionner. Alors, voilà, donc... comme j'ai pris la box créative, apparemment donc j'ai droit aux 4 cartes du mois à collectionner. Et puis j'avais rajouté donc des paquets en plus, donc on peut acheter des paquets supplémentaires. Alors je vais commencer par les cartes du mois. Voilà, un très joli packaging. Et donc, il s'agit de cartes comme ceci. Alors déjà, regardez-moi l'arrière. Je ne sais pas si vous verrez, il est un peu pailleté. En plus, c'est juste magnifique. Voilà, les couleurs sont splendides. Et donc, ouais, ce sont des cartes en métal. Voilà. Donc, c'est quand même très souple, mais elles sont en métal. Voilà. Et donc, je vais les découvrir avec vous. Voilà donc comment elles se présentent. Donc on a plusieurs, apparemment on a plusieurs thèmes. Je sais plus, je crois qu'il y a gourmandise, ouais, géo pour gourmandise. Il y a nature et il y a animaux et je crois qu'il y en a une quatrième, je sais plus. En tout cas voilà, donc ce sont des petites cartes comme ça, avec une illustration, avec donc le titre bien sûr de la carte. Et puis un petit message par rapport à l'illustration. Ensuite, on a l'esprit de la nature. Après, on a coucher de soleil. Ouais, elles sont un peu pailletées. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Regardez-moi ça, ces couleurs, c'est juste magnifique. Et puis le roi des hippocampes. Voilà, ces illustrations sont magnifiques. Les couleurs sont splendides. Franchement, c'est juste, voilà, c'est juste magnifique. Voilà, alors voilà pour les 4 cartes du mois. Bah écoutez, on va découvrir les autres cartes à collectionner. Donc là, il y a 2022 et 2021. On va commencer par 2021. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc ce sont des lots de 5 cartes. Hein. Voilà, alors on va les découvrir. On a soirée sushi, abracadabra, donc ça c'est tout en rapport avec des kits, des anciens kits bien sûr, hein. Les carpes koi,
C'est vraiment magnifique. Et puis le cerf sacré, mon préféré. Et ah, attends, il y a la quatrième. Voilà, pause lecture. Donc voilà pour ces cinq-là. Et puis donc pour les éditions 2022. Oh là là, trop belles ces cartes. Alors, les chars de Kernaïel. Voilà. Le dimanche coloriage. Ensuite, on a la pêche à la lune. Et on a le bébé lama. Voilà, bon, bah écoutez, déjà une belle collection, je suis trop contente. Ça, je vais me faire vraiment un plaisir de les collectionner. C'est, voilà, elles sont magnifiques ces cartes. Alors, je vais laisser là, je vais m'arrêter là pour ces cartes. Et puis, on va continuer avec, donc, avec la box de ce mois. Alors, je vais commencer par les cartes Project Life. Voilà, donc à chaque fois, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit petites cartes. Et puis, deux grandes, je crois. Oui, deux grandes, c'est ça. Voilà, donc là, j'ai pris le kit avec les hippocampes. Donc, on a les petites comme ceci. Voilà. Ensuite, on a celui pour les pastèques. Voilà, cette carte-là est vraiment magnifique. Donc l'arrière est blanc. Et puis on a les petites, les smoothies. Voilà pour les pastèques. Voilà. Ensuite, on a donc le coucher de soleil. Cette illustration aussi, elle est absolument magnifique. Et on a les petites avec les chaises longues, les palmiers, le soleil. Les petits cocktails, l'eau de la mer et encore le soleil. Voilà. Et le dernier, donc, c'est je sais plus, la fée de la nature, je crois. L'esprit de la nature, pardon, l'esprit de la nature. Voilà, avec cette petite yelle, avec ces petits bois de serre là, c'est trop mignon. Et le soleil qui passe à travers les nuages. Et les arbres. Et puis voilà pour les petites. Les petits oiseaux. Les petites harpes. Puis ici avec des fonds. Je vais passer aux petites planches de stickers. Alors ça, c'est des petites que j'ai pris en plus. Voilà, donc ça fait pas partie de la box. C'est deux petites que j'ai commandées en plus. Voilà, donc ça, c'était une nouveauté que j'avais pas encore. Et puis celle-ci, je l'ai repris parce que je n'en avais plus. Voilà. Et puis donc ensuite, on a ici, on a donc les quatre grands stickers pour le mois, enfin pour chaque kit. Voilà, magnifique palmier.
le roi des hippocampes et le smoothie de pastèque. On a les planches avec les petits stickers. Comme ceci. Voilà. Et puis donc le petit calendrier pour le mois avec l'esprit de la nature. Voilà pour ça. Je vais vous montrer ensuite donc les kits. Donc on a comme d'habitude 2, 3, 4 kits, un kit mensuel et les masking tape. Je vais ouvrir tout ça, je vais enlever les plastiques, ça fasse moins de bruit et je reviens vers vous. Alors, je commence par le kit mensuel. Donc, pour rappel, moi, je prends la box pour le planner des Yale, que j'ai d'ailleurs enfin commencé ce mois de juillet. Alors, voilà pour le mois. Donc, il est composé de 2 pages. Voilà. Pour le mois. Et puis ensuite, donc, pour les 4 semaines, on a d'abord les pastèques bien fraîches. Voilà. Avec cette magnifique illustration et cet arc-en-ciel. Je trouve ça vraiment très très beau. Voilà. Voilà pour la deuxième page. Vraiment des couleurs fraîches. La troisième page. Non, c'était la quatrième page. C'était la quatrième page. Et voilà pour les masking tape. Ensuite, le second kit, c'est l'esprit de la nature. La seconde page. La page avec les jours de la semaine. La quatrième et les masking tape, voilà, avec la petite harpe. Ensuite, les hippocampes, voilà, le roi des hippocampes, parce que c'est vraiment mon coup de cœur de ce mois. J'adore vraiment cette illustration. On a ensuite cette deuxième page. J'adore l'association de ce rose, un peu rose pêche, et de ce bleu. Voilà la troisième page. Et la quatrième. Et les masking tape. Voilà. Et le dernier kit, donc c'est le coucher de soleil sur la plage. Ces couleurs sont vraiment magnifiques. C'est vraiment le... Enfin, je trouve que c'est vraiment l'idée même de la lumière qui est reflétée par le coucher de soleil, avec les petits bateaux là dans le fond de la mer. Magnifique, surtout que cette année, je vais probablement pas partir en vacances, donc du coup, ça me donnera un petit peu l'illusion de partir. Voilà pour la deuxième page, la troisième, avec ce petit soleil. Et la quatrième page. Et les masking tape. Voilà, avec ce magnifique soleil d'été. Voilà pour les kits. Alors, il me reste donc les petits die cuts. Donc, je vous montre d'abord les die cuts pour les hippocampes. Donc voilà, le roi avec ses petits copains, le coffre-fort, enfin le coffre au trésor plutôt, et des petites bulles. Voilà, peut-être dézoomer un peu que vous voyez mieux. Voilà, donc voilà pour les hippocampes. Ensuite, on a donc pour les pastèques. Le petit smoothie, j'adore. Et toutes les pastèques
entière, en morceaux. Ensuite, donc, on a pour le bord de plage le palmier, le petit cocktail, les chaises longues, ça j'adore, et le joli soleil. Et donc, voilà pour l'esprit de la nature, avec les colonnes et tous les petits oiseaux, ainsi que la harpe. Voilà pour les petits die cuts. Et donc, il me reste les papiers en format A4. Alors, on a d'abord les pastèques. Ensuite, on a donc ici pour l'esprit de la nature. Malheureusement, merci la poste. Les papiers ont été tout abîmés. Mais bon, c'est pas grave. J'ai encore une grande partie de la feuille qui est bien. Mais alors ça, on a ensuite les hippocampes. Voilà. Et puis le magnifique soleil du coucher de soleil. Voilà, je vous montre encore juste le petit sac donc que j'ai commandé. Avec ce petit cerf sacré, parce que mon fils est aussi fan que moi. Donc voilà, ce sera un petit cadeau quand il va revenir de son camp. Donc il mesure à peu près 18 par 20, 18 par 20 cm. Voilà, donc l'arrière est comme ça. Il y a une bandoulière qui est réglable. Et puis il s'ouvre avec... avec un scratch. Voilà. Et l'intérieur. Alors, il y a du papier. Voilà. Donc, il y a une fermeture éclair. Et une pochette. Voilà. Donc, à l'arrière, en fait, il tient aussi avec un velcro. Voilà, donc si on veut, on peut le garder aussi juste comme ça. Mais bien sûr, le but, c'est de garder le velcro. Voilà. Voilà pour ce petit sac. Bah écoutez, je vous ai tout montré pour ce qui est de cette box du mois de juillet. Encore des magnifiques illustrations. Dites-moi en commentaire quel est votre kit préféré. Personnellement, moi, je pense en numéro 1, c'est quand même les hippocampes. Et en numéro 2, le coucher de soleil. Voilà. Mais les 4 sont absolument magnifiques, bien sûr. Je suis très heureuse d'avoir pu vous présenter cette box. En attendant de vous retrouver très vite, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, je souhaite de très bonnes vacances à ceux qui sont concernés. Et puis, pour ceux qui travaillent, eh bien, bon courage. Voilà. Gros bisous et à très bientôt. Ciao !